Ben, je suis arrivé ici, c'est sûr, c'était, moi j'étais ici pour gagner. Tu sais, ma game était quand même bonne en arrivant au tournoi. Première ronde, j'ai juste eu un mauvais départ. Ensuite, je me suis souvenu qu'il restait 63 trous à jouer après mon premier 9, fait que j'ai pas lâché. Puis j'étais allé, comme c'était comme un puzzle, fait que j'étais allé pièce par pièce, puis j'ai fini par finir avec la victoire dans le fond. C'est vraiment été ça, là, juste de rester dans le moment présent. Je pense que ça a été vraiment important pour moi cette semaine, puis ça a apporté fou. J'étais à peu près 8-9 coups en arrière des meneurs. Puis je savais que tout pouvait arriver. Fait que j'ai vraiment, tu sais, ce matin, toutes les choses, tout marchait bien le matin quand même. Dans le fond, j'étais peut-être dû. T'sais, au golf, souvent, tu vas bien jouer, mais il y a peut-être un qui va jouer une ronde incroyable et qui va venir te battre quand même. Fait que tu peux dire que tu n'étais pas dû, mais je pense que peut-être juste ça qui est arrivé. T'sais, les gars que je jouais avec, ils ont quand même bien joué. Le Jared, je me souviens, il était vraiment proche de moi dans les 5 derniers tours. Puis on dirait que, je sais pas, j'étais capable de fermer la porte. Puis de remporter la tour. C'est vraiment quelque chose de spécial. T'sais, c'était ma dernière junior, fait que c'était ma dernière chance. Cette année, c'était vraiment. Je l'avais encerclé sur mon calendrier ce tournoi-là, puis je voulais vraiment le gagner. Ma dernière année. Juste pour finir, j'aimerais juste remercier mes anciens coachs, Denis et Yvon Roy. C'est vraiment. C'est à cause d'eux aujourd'hui que si je suis là. Puis, tu sais, oui, j'ai fait un changement cette année, je suis rendu avec David, je le remercie aussi. Mais j'ai quand même passé 10-11 ans de ma vie à me faire coacher par Denis et Yvon Roy. Fait j'aimerais juste leur dire un gros merci. Puis, c'est ça, c'est grâce à eux si tu veux.